Bonsoir. Alors, ce soir, on va regarder le morceau Adrianita de Juan Buscaglia. Alors, c'est un superbe morceau et on va déjà voir la première partie. Alors, je vais vous la jouer une fois en entier et puis après, on ira voir les détails. Pour cette partie, il faut commencer sur un contretemps, c'est-à-dire qu'on commence pas sur le premier temps, et c'est donc la première phrase, ça fait mi fa mi ré do mi. On commence sur le mi première corde, après on a le fa première corde première case, on fait un lié sur le mi, on prend le ré deuxième corde troisième case, le do sur la deuxième corde première case et le mi en même temps que le La à vide. Je répète ça, donc ça fait hop. Une fois qu'on arrive là, on peut essayer de garder le Do si on peut, et puis rajouter le doigt sur le La, qui se trouve donc case 2, corde 3, et on va jouer le La et le Do en même temps avec l'index et le majeur. Donc ça donne comme ça. Une fois qu'on arrive là, on vient chercher le La aigu qui se trouve case 5, corde 1, et on va faire un lié, c'est-à-dire que c'est que la main gauche qui joue jusqu'à sur la corde à vide. C'est-à-dire qu'on tire sur la corde à vide, et après on vient chercher le Do qui se trouve toujours au même endroit, case 1, corde 2, et le Ré aussi toujours au même endroit, case 3, corde 2. Après ça, on a besoin du Sol dièse. Et le Si, on le joue à vide avec l'index et le majeur ici. Alors, si je répète cette première ligne, ça donne comme ça. Alors, on peut déjà parler un tout petit peu de l'équilibre. Toutes les doubles notes du morceau, il faut faire attention à ne pas les jouer trop fortes pour pas qu'elles passent en-dessus de la mélodie, parce que c'est de l'accompagnement. Alors, une fois qu'on est arrivé là, on peut faire la deuxième ligne. On commence avec la basse de mi, donc la sixième corde à vide, et on peut jouer ré, mi, ré, do, si, ré. Donc, y a rien de compliqué ici, hein. Il y a tout qui se passe presque sur la deuxième corde, à part le mi. Donc, je répète. Sol dièse et notre Si. Donc, je répète ça. Maintenant, on va chercher le Si, case 7. Et comme avant, on va tirer sur la corde à vide. On revient chercher le Ré. Et on a le Do en même temps que le La. On va rajouter à ce Do le La, case 3, pardon, case 2, corde 3. Et le mi case 2 corde 4. On arrive donc sur l'accord de La mineur finalement. C'est un accord souvent qui est écrit comme AM sur les partitions. Alors je répète cette deuxième phrase, donc depuis le début de la deuxième ligne. Voilà, maintenant on va voir la suite. Ça commence exactement comme le début du morceau. Donc on remarquera ici que moi j'utilise le deuxième doigt sur le La, parce que sur la partition c'est marqué troisième doigt, mais je pense que c'est une erreur, parce qu'il n'y a aucune raison de mettre le troisième doigt ici. Après on vient chercher de nouveau le La, on tire encore une fois sur la corde à vide, et cette fois-ci on revient chercher le Sol, case 3, corde 1, et on atterrit sur le Fa de la case 1. On garde le doigt sur le Fa, et on vient rajouter le La et le Ré, ici. Donc ça nous donne l'accord de Ré mineur. Hein. C'est un accord qui est souvent marqué comme DM sur les partitions.
Une fois qu'on a joué cet accord de ré mineur, on joue la basse, et pendant qu'on la joue, on en profite pour monter à la case 7 sur la corde 3. C'est donc un ré. À l'après, on a en diagonale, donc comme si on montait sur un escalier, on a sur la case 6 le fa de la corde 2 et sur la case 5 le la de la corde 1. Donc ça fait ré, ré, fa. Et puis là, une fois qu'on rajoute le la, on va tout rejouer. Donc le ré, ré, fa, la. Après, on peut prendre le si. Et on va, donc le si, il se trouve sur la case 7, toujours, hein, de la corde 1. Le la. Et on vient prendre le barré de la case 5. Alors je vais déjà répéter tout ça. Donc depuis la montée ici, on a le ré, fa, le barré il doit faire que 3 cordes, il doit barrer donc que 3 cordes sur la case 5, encore une fois. Donc si on regarde ce qu'on a sous le barré, on a un la aigu sur la corde 1, un mi sur la corde 2 et un do sur la corde 3. C'est tout ce qu'on a besoin pour la mesure suivante. Donc on a le la, enfin le barré, l'accord complet, le mi sur la deuxième corde et le do sur la troisième. Après on a encore une fois le même accord et on va glisser le barré deux cases plus bas. On va rajouter le doigt sur la case 4, corde 3, donc c'est un si ici. Et on va jouer donc les trois notes, ça nous fait si, ré, sol. Après c'est la même position qu'on va glisser en haut du manche. Et il ne nous reste plus qu'à prendre le sol dièse. Pour jouer donc sol dièse si mi. A chaque fois je joue avec IMA à la main droite. Donc je répète depuis la montée en escalier. On arrive là, on garde le doigt sur le sol dièse, on joue la basse, on joue le si à vide, on rejoue le même accord qu'avant. Maintenant on a un accord de ré septième, donc c'est la, do et fa dièse, ici, avec 2, 1 et 3. On glisse cette même position de deux cases vers le haut, ça fait comme un triangle un petit peu, et on retrouve notre barré. Moi j'aime bien rajouter une basse de la ici, je trouve que c'est un peu moins vide. Alors je répète, donc depuis la montée en escalier ça donne ça. Voilà. Pour terminer je vais jouer tout le morceau, toute la première partie en entier. Pas trop vite, comme ça tu peux jouer en même temps que moi pour t'entraîner. Alors on y va. Rappelle-toi qu'on commence pas sur le premier temps, donc il y a un temps de silence au début, hein, une croche de silence. Alors 2, 3 et hop. Ça donne ça. Voilà. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie. Alors bon travail et à bientôt.